Bonsoir, cher peuple du Togo. Ce soir, je mets une lumière sur ceux qui se font appeler les évêques du Togo, les hauts responsables de l'Église catholique, qui ailleurs dans d'autres pays ont été les piliers de la révolution populaire, socialiste et salvatrice pour leur peuple. Les évêques au Congo, au Cameroun, au Burkina, en Argentine, au Venezuela ou en Bolivie ont toujours joué des rôles positifs. Et le pape Jean-Paul II, c'est l'un des évêques qui a été un révolutionnaire et qui a été une figure de lutte contre la corruption capitaliste et communiste. Mais au Togo, nous avons des évêques incroyables. Depuis le temps de Monseigneur Dossé Agnon, certains évêques de sa trempe ne se sont jamais reprochés d'être amis de la dictature. C'est ainsi que Dossé Agnon se faisait appeler ami d'Eyadema, le visitait et cautionnait toutes ces violences, ne dénonçait rien. À sa suite, l'évêque Couteau, c'est Justin ou Julien Couteau qui a été l'évêque d'Atakpamé. Et aujourd'hui, c'est Monseigneur Bariga qui marche dans ses sales traces, accompagné par les autres évêques qui tous se sont laissés corrompre par l'argent du peuple. Et le mal est que à ces évêques, ou bien ces évêques s'opposent à d'autres évêques qui ont choisi de porter vraiment le manteau du Christ. C'est ainsi que Dossé Agnon s'opposait à Monseigneur Atakpa qui a choisi lui le peuple au lieu des gouvernants. Aujourd'hui, Monseigneur Podjo suit les traces de Monseigneur Atakpa. Monseigneur Assi, Monseigneur Séchi, voilà des gens qui se sont engagés pour le peuple et qui ont subi la foudre du régime. Ils ont été empoisonnés les uns après les autres. Monseigneur Podjo le fut, mais Dieu l'a gardé pour achever la mission de libération du peuple. Chers évêques du Togo, loin de vous manquer du respect, c'est moi qui vous dis que c'est vous-même qui manquez le respect à votre vocation de pasteur, de représentant du Christ auprès de son troupeau au Togo. C'est vous qui manquez de respect à Dieu et vous manquez de respect au peuple togolais et à vous-même. Nous ne faisons que dénoncer le mal dont vous êtes complices. Aujourd'hui, vous faites une sortie ridicule. Lors de votre 127e session, où vous êtes prononcé sur la vie chère au Togo, le texte dit « Les évêques catholiques interpellent le gouvernement togolais sur la situation. L'exaltation des prélats a été faite au cours de la 127e session ordinaire de la CET. » tenue du 15 au 18 juin 2021. Selon le communiqué de presse issu des travaux, les évêques ont au cours de leur échange posé un regard évangélique sur la situation sociale du Togo. Ils se sont laissés interpeller par la pauvreté tant de citoyens qui éprouvent beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins alimentaires et invitent les autorités et toutes les institutions ont prêté une vigilance attentive à ce défi à relever. Les évêques reconnaissent les efforts du gouvernement. Je les cite, notre peuple souffre, personne ne l'ignore. Il importe de regarder avec attention les situations qui préoccupent les citoyens pour y apporter les solutions appropriées,
a déclaré l'austérité. Les évêques reconnaissent que les efforts sont faits par le gouvernement. Mais ils exhortent les gouvernants à redoubler d'ardeur pour combattre la misère aggravée par la pandémie à coronavirus, la cherté de la vie, la corruption et les fraudes, et garantir la sécurité, la liberté des droits fondamentaux des citoyens. Par ailleurs, les prières réaffirment l'engagement de l'Église catholique du Togo à appeler constamment les populations à un changement de cœur, de mentalité et d'attitude afin de construire une société plus humaine où la richesse soit partagée par tous dans la justice et la paix. Mais je crois que ces évêques se moquent du peuple. Vous vous moquez du peuple. Vous appelez la population à un changement de mentalité pour que la richesse du pays soit partagée équitablement entre tous. Vous avez peur du gouvernement? Vous avez peur? Qui dirige le pays? Qui doit bien gérer le pays? Qui doit combattre la pauvreté? Qui doit partager équitablement les richesses? Ce n'est pas les gouvernants. Pourquoi vous ne leur reprochez pas? Mais pourquoi Monseigneur Kwadwo leur reproche? Parce que vous êtes corrompus. Vous êtes corrompus. Lors du lancement de ce programme creux qu'est le PND, Programme National de Développement, énième programme de développement qui n'a apporté aucun développement, où ils ont déboursé des milliards pour corrompre des gens, pour faire la pub, calmer les esprits échauffés et continuer avec la même gabégie. Qu'a fait la conférence des évêques? Vous avez été invité par Fonia Simbe à se présenter à sa résidence. Et quand vous en avez parlé à Monseigneur Kwadwo, vous a dit, n'y allez pas. Ou bien, avant d'aller, dites-moi, je vais vous accompagner. Mais comme vous savez que c'est l'argent qu'on va aller vous donner, vous savez que si Monseigneur Kwadwo est allé, il va parler franchement au tyran. Il va vous interdire de prendre l'argent et vous ne prendrez pas l'argent. Donc, vous êtes parti à l'audience derrière lui. Et après, quand il a appris, vous lui avez rendu compte qu'on vous a donné combien de centaines de millions, 200 millions ou combien de centaines de millions. Et Monseigneur Kwadwo vous demande pourquoi vous êtes parti sans moi et pourquoi vous n'avez pas refusé cet argent. Votre réponse était que oui, vous allez utiliser l'argent pour développer plusieurs projets de l'Église, etc., etc. Or, la vérité est que vous avez utilisé cet argent pour vous-même. Vous avez corrompu quelques prêtres pour qu'ils ferment leur clapet. Vous avez corrompu quelques responsables influents de l'Église, de la jeunesse charismatique, des jeunesses charismatiques, etc. pour que tout ce qui est débat politique soit tu. Et voilà. Vous qui êtes partis prendre l'argent de la corruption, vous dites aujourd'hui que vous combattez la corruption. Quel est ce paradoxe-là, chers évêques du Togo? Vous dites que vous luttez contre la pauvreté et vous utilisez les pauvres collectes des fidèles, pas pour créer un programme social d'assistance aux populations, mais des évêques parmi vous ont acquis des biens immobiliers. Un évêque a acheté un hôtel à Anéro qui a coûté plus de 100 millions et en est fier qu'il prépare sa retraite. Cet évêque sait de quoi je parle. Et où j'ai eu cette information, on ne peut pas me tromper. Les évêques investissent dans des villas luxueux qu'ils acquièrent. Ils en sont fiers. Pendant qu'il y a des chapelles qui coulent quand il pleut. Il y a des endroits au Togo où les fidèles n'ont pas un lieu digne pour adorer leur Dieu. Des bâtiments d'église sont inachevés, sans porte. Quand les gens viennent, ils bloquent les entrées avec des bois, des clés ou bien des parpaings. Et quand les fidèles partent,
c'est les chèvres, les moutons qui viennent et chient à l'église. Dans certaines églises, c'est la terre battue. Il n'y a même pas du cimentage. Mais un évêque peut utiliser plus de 100 millions pour acheter un hôtel, un endroit de prostitution. Et il dit qu'il est représentant du Christ sur la terre. Et les fidèles catholiques n'aiment pas qu'on dénonce ça. Parce que leurs évêques sont leurs dieux. Quand un évêque fait bien, on va le dire. On était trop petit quand Monseigneur Attakpa avait lutté contre Yadema en faveur du peuple. Mais quand on est grand, on a appris son histoire, on lui a rendu hommage. Nous continuerons à rendre hommage à Monseigneur Attakpa. Monseigneur Séchi, c'est devant moi qu'il est mort. Il était l'évêque de Palimé. Monseigneur Assi, l'évêque de Kara. Et Podio, tous sont partis. Il y a un quatrième. Rencontrer Yadema et lui dit de laisser le pouvoir. Le peuple ne veut plus de lui. Pour que sa succession se fasse dans la paix, sans bain de sang. Yadema qui veut mourir au pouvoir n'a rien fait de mieux que les empoisonner. Seul Podro est le rescapé parmi tout cela. Or, Assi, c'est son père qui a adopté Yadema Kara. Le Tchadien Yadema est venu errant au Togo après que la France les a abandonnés de l'armée coloniale. C'est le vieux Assi qui l'a adopté. C'est le vieux Assi qui l'a adopté au Togo. Mais quand Assi disait la vérité à Adema, il l'a tué. Il l'a empoisonné. Voilà comment des évêques ont pris le risque pour le peuple. Ils sont morts, mais oui, comme le Christ est mort pour son peuple. Mais certains ont choisi de s'accommoder avec la dictature, de manger là-bas, de prendre l'argent de la corruption, d'être complices du vol électoral, des violences, du pouvoir contre le peuple, et aujourd'hui il vient nous parler de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la corruption. Je vous invite, chrétiens, à ouvrir les yeux. Chrétiens catholiques, ouvrez les yeux. Parmi vos prêtres, vos évêques, il y a des gens qui sont corrompus, puisque des mondains, et certains s'efforcent à ressembler au Christ. Monseigneur Attakpa, Monseigneur Boukessi, Monseigneur Assi, Monseigneur Séchi, Monseigneur Fanoko Podjo. Ceux-là se sont battus pour vous. Il y a beaucoup de prêtres qui se battent pour vous. Certains se sont laissés intimider par cette conférence des évêques-là, qui leur dit, vous n'êtes pas formés politiciens, mais vous êtes formés théologiens pour l'Église. On les fait taire. L'exemple de Père Afonion, qui s'est tellement engagé, qui a suscité l'espérance pour le peuple. L'espoir de tout un peuple. Il est devenu muet, et ce prêtre-là, aujourd'hui, insulte la diaspora engagée, insulte Monseigneur Podro, insulte le peuple qui se bat et défend Bariga, Fonyasimbe et consorts. Et ce prêtre est soupçonné d'être l'amant de Ingrid Awadé. Alors que Bariga est soupçonné d'être l'amant de Sabine Mensa, la maman du diable Nyasimbe Fort. Et c'est comme ça qu'il débouche là-bas. Après, il vient vous tendre la communion. Vous voyez que l'église ne prospère pas. Vous voyez que rien ne s'arrange. Parce que les premiers responsables ne suivent pas les pas du Christ. Et ceux qui suivent les pas du Christ sont opprimés comme le peuple opprimé. Ouvrons les yeux. Et il y a un des évêques qui est l'intendant de la famille de Fonyasimbe, Sabine et Patrick Mensa, Menyasimbe. Tout l'argent qu'ils ont volé au Togo et qu'ils placent à la banque du Vatican, c'est cet évêque-là qui est leur intendant, qui cautionne le vol de l'argent des Togolais, les détournements des milliards. Et aujourd'hui, il vient nous parler du partage équitable des richesses, de la pauvreté, alors que vous aidez cette famille à piller le pays,
à placer à l'étranger. Notre argent développe le Vatican, ça développe la Suisse, ça développe l'Union européenne, ça développe beaucoup de pays au monde, la Turquie, sauf notre propre pays. Vous contribuez à détourner l'argent du pays. Vous contribuez à prendre de l'argent, de la corruption. Aujourd'hui, vous vous levez pour dire que la vie est chère. Est-ce que l'Église catholique a pu cultiver des hectares de maïs pour distribuer aux pauvres en cas de pénurie? Vous prenez l'argent, 100 millions, plus de 100 millions pour un évêque, pour acheter un hôtel, pour préparer sa retraite. Il n'a pas construit même une école qui peut lui rapporter de l'argent, mais qui peut apporter de l'instruction à la population, non. Il n'a pas construit un centre de formation, un orphelinat, même un centre de formation de football, un centre de formation agronomique, non. Il a investi dans un hôtel, un évêque du Togo. Celui-là même sait qui il est. Et il sait que ce que je dis est vrai. Parce que je l'ai appris quelque part où on ne peut pas me mentir. Chers Togolais, nos évêques aujourd'hui qui sont constitués dans la conférence des évêques du Togo sont les bras religieux du pouvoir EPT Uni. Tout comme, comment il s'appelle, Bouraïma, et le président du conseil islamique du Togo, c'est un réseau de corrompus qui prend l'argent du contribuable pour faire taire la masse islamique au Togo. Voilà. Depuis notre tendre jeunesse, Monsieur Bouraïma est toujours président de la conférence islamique du Togo jusqu'alors parce que le pouvoir veut qu'il soit là-bas. Il fait l'affaire du pouvoir. Le président des assemblées de Dieu du Togo, un très corrompu, qui laisse se souiller de Adédié, prêcher aux églises assemblées de Dieu du Togo, mettre la main sur les gens pour qu'ils ne manifestent pas. Il détourne les milliards du Togo et investisse là-bas. Entre les dirigeants des assemblées de Dieu, les fidèles même souffrent. L'église évangélique presbytérienne du Togo, leur modérateur et leur haut conseil, des corrompus à la solde de Fonia Simbé et de son régime diabolique. Le présupposé pasteur Noumovi, un haut gradé dans la corruption et dans la caution au mal qui gangrène le Togo. William Tété, tous ces faux prophètes, etc., etc. Ils cautionnent tous le mal. Ceux qui prennent le courage, Monseigneur Bodjo, le prophète Esaïe, le pasteur et prophète Maololo Yesunyo depuis l'Australie. Ils sont rares à prendre le courage de dire la vérité, de prendre parti pour le peuple contre la tyrannie. Chers évêques, vous êtes mal placés pour parler de pauvreté parce que vous contribuez à la pauvreté. D'abord, vous saignez vos fidèles. Dans une messe, vous faites plus de 5 cotisations. Cotisation selon les jours de naissance. Cotisation pour tel. Cotisation pour la Vierge Marie. Cotisation pour Saint-Étienne. Cotisation pour Saint-Joseph. Pour Saint-Paquita. Vous saignez votre peuple. Les gens ne trouvent pas à manger, mais vous les saignez. Et cet argent, vous distribuez à vos maîtresses. Vous achetez des villas. Vous achetez des hôtels. Vous faites les voyages que vous voulez. Vous portez les chaussures les plus à la mode. Vous portez les soutanes de valeur. Aujourd'hui, vous venez nous parler de pauvreté. Non, taisez-vous. On souffre avec votre contribution parce que vous êtes complice de ce régime qui nous appauvrit. On souffre parce que vous refusez de dire la vérité. On souffre parce que vous combattez Monseigneur Podjo qui a pris
parti pour le peuple qui souffre, qui est pauvre et qui vit aussi pauvre comme nous. Le Seigneur Padre nous a raconté avec quelle difficulté lui, Marc Mondi, arrive même à manger. Mais vous vous jetez les repas. Vous en offrez abondamment à vos maîtresses et aux gens qui vous sont proches et qui vous soutiennent dans vos mensonges. Alors, chers évêques du Togo, la vie est chère, mais vous êtes mieux placés pour savoir que vous contribuez à rendre la vie chère. Vous contribuez à voler les élections. Vous contribuez à assassiner le peuple. Oui, parce que Monseigneur Bariga, qui se dit diplomate, il est comme ce serpent que représente la diplomatie mondiale, comme l'ONU, qui a reconnu, non, qui a reproché sans mort à Gbagbo, et voilà le spectacle de l'arrestation, la déportation, le jugement, l'incarcération, 10 ans, injustement, de Gbagbo, pour finalement dire qu'il est non coupable. Cette ONU, France et consorts ont reconnu ou bien ont reproché 116 morts à Kadhafi. Voyez comment ils ont saccagé la Libye et tué Kadhafi pour 116 morts. Parce qu'ils veulent la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire et en Libye. Mais cette même ONU a reconnu que Faure a tué au moins 500 personnes en 2005 pour prendre le pouvoir. Oh, regardez comment ONU ménage Faure Gnassingbé, lui donne un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et au Conseil de sécurité. Voilà ce qu'est la diplomatie. Voilà ce qu'est Monseigneur Bariga, qu'on a choisi parce que c'est lui qui fait l'affaire pour diriger la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, qui a reconnu même plus de 500 morts de l'ONU, des victimes, des amputés, des lésés, des gens tués, des gens exilés, des gens traumatisés, des gens amputés, aveuglés, bornés. Mais qui a mis les rapports dans un tiroir, ne dérange même pas le gouvernement, ne fait pas de rappel pour que le gouvernement applique les conclusions de la commission. Et lui-là, le loup qui se revêt d'une touche d'agneau. Il participe aujourd'hui à une conférence des évêques hypocrites pour nous dire qu'ils reconnaissent que nous souffrons, qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme, alors que c'est lui-même le premier responsable à détourner la colère de la population contre Faure Gnassingbé. Même la colère de cette communauté internationale contre Faure Gnassingbé, parce que depuis 2005, le Togo est jugé comme infréquentable, comme dictature sanguinaire, était sur la liste noire. Mais Bariga a accepté ce travail pour redorer le blason du régime, appelé à une fausse réconciliation. Et il a pu dire via sa communauté de Saint-Égidio, dont il est membre, que voilà, tout va bien, le gouvernement fait des efforts. Et aujourd'hui, ils nous disent encore que le gouvernement fait des efforts. Quel effort? Quand Auré Djimbo, qui ne fait que parler de l'histoire vraie du Togo, est emprisonné depuis 28 avril. Quand prophète Esaïe est emprisonné bientôt 1 an. Parce qu'il a parlé de la part de Dieu, comme vous présumez parler de la part de Dieu. Mais quand vous ne dites rien de vrai qui accable le régime, mais vous êtes peinard. Mais Bodro, qui dit, qui envoie les flèches à ce régime, il est où? Comment il est traité? Le peuple n'a encore ouvert les yeux. Ces évêques sont des faux, sont des corrompus. Ils sont de la lignée de Dossier Agnon, de Couteau, Bariga et consort. Il y a la lignée des vrais évêques, Monseigneur Atakpa, Monseigneur Boukpessi, Monseigneur Assi, Monseigneur Séchi, Monseigneur Podjo. Ouvrez les yeux. Chers catholiques, soyez capables de demander des comptes à vos dirigeants parce qu'il y a beaucoup parmi eux que le diable a envoyé pour enfoncer l'Église. Et ce que Dieu a vraiment choisi comme prêtre, comme évêque, vous devez les reconnaître.
vous devez les reconnaître. Quand vous allez chez eux, ils prennent compassion de vos problèmes. Ils savent que vous avez des problèmes. Ils vous donnent des aides alimentaires ou financières par moment. Quand ils trouvent des vêtements que leurs correspondants européens leur envoient, ils vous en donnent. Ils en donnent à vos enfants. Sachez que ceux-là sont avec vous. Mais les pingres comme Bariga et sa suite, vous n'irez pas leur dire bonjour et ils vous tendront 5 000 ou 10 000. Ils vont se plaindre au point que même vous, si vous restez 1 000 francs, vous allez leur donner. Ouvrez les yeux. Dieu, ce n'est pas un forçat, ce n'est pas un dictat. C'est la libre conscience. Le prêtre, l'évêque, ne peut pas vous imposer le chemin de Dieu. Vous avez le libre arbitre de reconnaître qui est propre, saint pour vous parler de Dieu et qui ne l'est pas. Parmi le clergé, il y a des prêtres qui sont propres pour vous parler de la part de Dieu. Mais certains prêtres et évêques sont trop sales, trop souillés, trop corrompus pour vous parler de Dieu. À vous d'ouvrir les yeux. À vous d'ouvrir les yeux. Sachant que nous sommes arrivés à une ère où nous devons désobéir à tous ceux qui contribuent à faire du mal à notre pays. Que cela soit du pouvoir, qu'il soit de l'armée, qu'il soit du rang des religieux, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit même nos parents, s'ils contribuent à enfoncer notre pays, désobéissons-leur. Organisons, ourdissons une désobéissance civile contre le régime et tous ceux qui contribuent à enfoncer le Togo. Qu'ils soient prêtres, évêques, qu'ils soient soldats, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient patrons ou patronnes, qu'ils soient employeurs ou chefs de service, qu'ils soient même la personne qui nous nourrit, soyons dignes, affrontons-les. C'est comme ça que nous allons balayer cette classe aristocratique qui depuis 58 ans s'est constituée sur le dos des Togolais. Elle vit aisée dans une opulence insolente. Et le peuple vit dans une misère indicible. On ne peut pas la décrire. Ce contraste est trop frappant. Ce contraste est trop inégal. C'est parce que le peuple se tait et se laisse faire. Alors, évêque, évêque de mon cul, vous êtes indigne. Vous êtes trop corrompu. Et vos sorties sont trop complaisantes. Vous avez des phrases romantiques envers ce régime. Et votre attitude, votre silence face à notre souffrance est si arrogante, si blessant, si ça fait ça si pénible, ça donne de la peine. Alors taisez-vous, gommez-vous du paysage. Mon Seigneur, moi je peux parler. Les gens courageux comme lui peuvent parler. Nous allons les écouter. Nous saurons qu'ils sont sincères et qu'ils luttent pour nous. Mais quant à vous, vous n'êtes qu'une bande de corrompus. Et Dieu même sait. Et Dieu va vous juger. Le jugement de Dieu va vous croiser de diverses manières. Ce n'est pas Dieu ni le peuple que vous trompez, mais c'est vous-même. Et Dieu va vous affronter dans son saint jugement. Et je sais de bonne conscience que ce que je dis est vrai et que Dieu est de mon côté. Ceux parmi vous qui consultent les charlatans, parce que Monseigneur Koto en consultait, et qui allait faire quelque chose pour qu'un mal m'arrive au nom de Jésus, le mal vous sera retourné. Je suis debout sur un roc séculaire solide, inébranlable. Les gens de l'opposition l'ont fait. Ils n'ont pas réussi. J'ai eu des attaques. Je les ai vaincus par le sang de celui qui a donné sa vie pour l'humanité.
Fonasimbe et Sakik le font, ils ont échoué. Vous ne m'atteindrez jamais. Je dis la vérité, je serai dans la vérité. C'est nous qui allons relever le Togo, notre génération. Si on ne le fait pas, c'est fini, nous le savons. Donc nous n'allons pas vous laisser. Vos toges endiablées ne vont pas nous impressionner. Alors, gommez-vous et laissez-nous affronter notre misère. Et laissez-nous nous organiser pour mettre fin à ce qu'en 8 ans de tyrannie contre nous, vous faites partie de cette tyrannie-là. Et gommez-vous. Gommez-vous. Nous sommes derrière Monseigneur Podro et tous ces prêtres engagés, mais que vous avez intimidés, réduits en silence. Mais nous savons que un moment viendra où le peuple va se révolter et prêtres et avocats, étudiants, apprentis, élèves, paysans, tout le monde va se lever. Femmes au grand marché, nous allons chasser la dictature et vous, ces évêques corrompus qui êtes complices de la dictature. Voilà. Je vais aller en éveil pour que mon peuple vous découvre. Un peu de musique ne ferait pas de mal. Togovio, Micho, Blekale, Miwomia Pemtete au Kata, Betogo Pedina Djeme, Yeni Apeto, Edoua Yeboua, Behaya Kekba, Kakemetogo Ja Hodoko Sinonoa, Bebani Adam Hanami, Ye Ova So Kudo, Dose Kazimir Agnon, Be. Et salut à toi, la tête de nos aïeux. Yé la tête de nos aïeux. Et yé va Georgina. Et miabe abloriwa kweto. Voa e yé a chani a danhade. Ani mile sebe nya oa. Et là, odore mi a dibe mi a somi a doko na Togo. We troy ambe ma pour nous poso Togo be bishop catholique be bishop ou. Mbone roko po maro akpa veso berebe. Akpa dea. Et le dukwa di le bli. Be du kwa ne kwa vovo. Ye be le pe akokudo. Nta se se di dudu. So ya de maji kakava kodo e via fonya simbeji. Ye akpade ya nona. A bosambe di dudu ya di. Ye so monsenya la takpa be gami. Monsenya la takpa vrina du kwa ta. Tunana ya de mabe mouni mawo. Amola no jika ano duwe neo. Le kebe ne kwa dua mounyo. Ne kwa dua le doko e bobome. Ye ya de maji na la wikaka. De va so wu. Les gars, mes dossiers, nous avons ni à demain, mais qu'on a béni, n'est-ce pas? Qu'on a gars, on a dit, peut-être, donna, y a demain, ben, nous, badabada, oji. Et moi, mais bien, monseigneur, pas d'où va, va. Y a monseigneur, pas d'où, monseigneur, boupessi, monseigneur, assis, monseigneur, séchi. On y a, mais qu'on soit, donc, on a du quoi, mais y a, du quoi, ta. Mais donc, on est que monseigneur, pas d'où, pour conférence nationale, là. Et bien, à la dictature, il n'y a pas de démocratie. Ben, Kofi Gova, Tchakano, Pelo y a démenti, on va gagner un CR1. Somme, il y avait transition, sans blé. Et mon Seigneur Kouto,
va rodo dossier en BTP va chakana nu non a demakudo en dan kaoji egbea bariga bakudo conférence des évêques akpata ole yadema bevia balomi ole fonya singbeku sabi mensa balomi osona gafuna we gasia gamebe emidalo dukwajila midalo katoliki rame aji emidalo fada wonke we fada sibe afonyo ke vasite gareme allo fada fostin ibekeye mi jesibe o enu kenyi maso maso le duameya e tona siwa o dalo ame won pataji o tona no be he mu politiki be sukulu mi yo ma unya gbogbo rapo po ve sukulu mi yi mi po mi abe rapo mi adenu le politiki mi mu le newa mi la nya mi jo le do ame a no nya o jo afi kola yo le togo wa ke mi ma o le pe ba yin ko ile pe la iwa chon bonu le funu atari amedowa a odowa mi chaku rejima va les zoomia diaspora avec bessie et père afonion nene va les zoomia diaspora les zoupadjo non les zoomi n'y a me collègue du quoi t'as les du quoi yo les zoé du quoi yo les zoé il est quoi que moi et bien des conférences des évêques alors que qu'il y a au mea et y avait pour popo que veut on a fait si appé il est ni gododo à l'offre de cas on peut si appé voir une session que on tourne n'est ni abonné d'ogo là de sousou so e nous que voulez jointia au donagua mini pesha pevenya yo e ni na be e ne be ya au donagoye au badogo l'électrique me mille ben que lui a ton soi et lui ni le agbe yo le gbavere yo le deux décibe agbe a laissé se et nous le roti togo to le pe funto e gamla monsieur a modare yo le gbavere yo décibe jiru do aller wo le jababa enya nwae evek won le gbona mi won be fonya singbe jududu ele jababa yato ya don kwina mi be ke fonya singbe de pen de toa e yo evek o boneva ke po juro sia ebe mi gba yo le mi laye a mano mi ami keye evek yola hodat kola yikwa khe ojo le kwadro yomi e ova eble wanu le lome de a so ganawe so million million ate pa lo fa so nao de mi ho gaya mi a so dalo mi a be ha mi a di paske yo nye be katoliki tole ko subu anu jabla manyo doa o dalo asambe de dieu o di voto avec polo di to ministre a de jejia que tant les amis dit du droit me voir avec il y a taro dit l'assemblée de Dieu les gloma onya be il est pas visionna me be leur délivrance na me que m'te les délivrer fonya sin me kudo et to me gang de gbe azenyon nu won azenyon nu azenyan gazi to gbe ko le RPT ni me le fion photo go du quoi a de Dieu mouva yo délivrer olo du comme vieux que les peuples que le vent les deux braves et eh ben les délivre et dans l'assemblée de Dieu a dit au dans l'ognami ramé a dit au dans l'eau et le coyonneau et ga bobo me gamon dit à messieurs pas son mon via l'eau donna fonia si mais son dalo mais ramé vieux dit bon abo mingba avant mi ngba be o le titre le jibu bu yanti o ma wo lawe ma wo mi no tepo mi bla bodé ma wo lawe a o ma wo do Israel e do gbedo ni gba be gbedo do na Israel bi o vo ke gbo lawe do fun ma o po futo la ni gba ji futo koko gaja 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 o ba wa hwan ko hun de ke gbe ko gbedo ni gba ke be gbe ma o to do na wa ma ou nyak boyale ke la tuna embe mi bla bode ma ou la we a zetoy. Bok bo voy. A mi anyi fadao, enyi mamo, enyi pastor, profeto a ze bok boye. Ne pele a mi de.
Nende le amison pour affiler bonnet. Ne ma ou mousso, be doni ba doise, yo ba lomeo. Be da si yo kon moude, ken be roue a kwa ma ou le dinya blisibe le kagbe de la ma bla bode, be e moutone de roue la gbe nai. Ba mion, a gan roue me, a ne roue so va nai la roue me a doua. A me de ke la tronen ve mi bobode ma ou la wea. A me a zeto e le dibe le, mi baron, mi a dole meo. Ne nai ma ou nya boto ou. Bata presque, bata clouya, so dodo ma lea ou di, apeto bourai ma kenyi, musulman obe apeto, conférence des évêques, koudo acheveque, keyele nyi bariga, assemblée de Dieu obe, kloto, pentecôte obe kloto, baptiste obe kloto, breman obe kloto, pouvoir a dalo a di, so ga, so bleu, bonizi a me vio di e mo nya ko gbona pele ma o la wela ble mama wa ke we na ze vio e la we na mi o cha a o israel vio gulo yin ke gbe ma wo so ji duru na o ye ve ke o yi po a ko ho gani ni a yo va wa konta na po duro be ne po duro be nu kenti o ni ma gbe a ni wan ti ni ji be ma po mi so yo do mi nya be ni mu ya en ya ke le ama gbe na fo nya sin be ye yin ja lo go ni so ga so do alo me na mi o for ke le fito go be ga so le na e du mu me to ye for ya sabi mesa ya me nya sin be patrick mesa nya sin be be pou me won ko le po doa ku do me ko cha do anti e ga ko le fi le togoa bishop won do me to de ka ye yin et gadik pola nan le bank de Vatican. Bishop le pedo, bobovon, be pome wanti ke le kbo togoa. O le lo togo be gavè le kodo Vatican, so le dja Vatican ro, togoa le ban. Bishop de kas de plus de 100 millions, alofa de kas so ple hotel, be so le dja ebe retraite ro. Le anero, Moutou soukoulou kou. Moutou tchè vio be. Anyim lopè o. Moutou afiko la nasan kou. Toutou dole o. E vay ple hotel. Be a sonon busy. Mi vay retreta. A me mwa basi tek bebe. A mo lek be fou. O mouton a jirou doa bere. Leke mi lek pos doa do mnyo doa. O dou meble o matin pou nou pou. O matin pour nous pour. Nous rendu la mère de Gbalo, matin doit me avec n'a pas bon. Et moula n'a pas un temps. N'a me côté le brun, y'a on a mes siens, mais à me déclarer les biais de cas. Nous j'ai gommé la mio. Bon, Dieu, moi, quoi, me déclarer ton, et t'es le blé. Et vec, moi, que oui, roi, régime, y'a ton doux, rolé. Fort bien aussi, rolé, fort en toi aussi, rolé. Ingrid a oua d'écoutant aussi. On m'a dit que nous, de pour la de communiquer, Zari, toi, sont condamné, non, pas, c'est fou. Bon, y'a venu, y'a un bleu, à moi, là, c'est gomme, et fia fito, que y'a un ici, et doit, pour ton, ni. Tonyo, et vingt carré, moudia, moubadon, ou clé la miola, et vingt carré, à béton, pour bénir, si bé, miao, y'a so bleu, ma mère, et vingt carré, de mes mana, et d'où on a peuple a dit, et à Padoa on a government dit, à me quoi le peuple a dit, oh yo me miadje, monseigneur attaque pas, boupe si, assi, et monseigneur séchi, monseigneur bonjour, fada ou chan le soubon eni, si fada keli, zangé la bonne à maou nya tona nya o, maou ni ya fada ouan. A me do cité, si bafonyon nene, ke ye bishop yao, klen ou do kwa, o bonou. Ekbe a, o va le zoumi, diaspora, o va le zoumi, o diro, o le zoumi peuple yon wa. Mi do la o tia tia. A me ouan kebe yo e kwa ye sou tepe ale, o mle no ye sou bak bere kpe ou. O le akbe, se le ke rejim ato o le akbe nene, a doa fok pa nyon, a so avo ke ou kwa tchi ou son to soutan. Ado a ou nye 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 le Itali, anodo. A son nan o glolo ava janvi ou di.
a janvier sous bon bang 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 mais avec Gaia et de la vie mi jodi bezanulo jo la vie ne jwe da la vie ne jwe ku la vie ne jo ato mi kela jo uma eni o jwe kaka fira to pe be o yo to e mu sugbo o la gba va fira to la gba site abe mi le so ya pere mi awi mi ale premi ne ne po ji mi ano kaka o so no no me mo so le flu mi bere bi de le ke mi aso do una mi avio aso do sukulu aso po e kondia mi so vele kodo wa ba lo me o so vele ple hotel be il y a souvent un business, mais il y a une retraite. Il y a un baissier qui est venu avec Benigna. Il y a un dadjari. C'est un communiqué. Il y a un peu hôtel de Togo. Il y a un peu intendant dans la famille. Il y a un peu de Sabine Messan, les banques de Vatican. Il y a un peu ma ou ben y'a dit t'en t'entendu, et ben y'a t'es pia même t'entendu, les bon y'a t'es pia. Y'a affiqué mi go fifile, m'ya ou soche ya ou la de togo ya. Et puis bla ton vo nye ya, a me kouba l'homme togo ale. Et politique, les politiques me, les, ra, allo, Christo ra ou, me kpro la ou, musulman ve kpro to wa, a me bada bada ou. Odora, les fions fous du quoi. Miroula titi tere wanti. Ne di la ou le mechan titi tere nti. Mune no ade. E ya le jito ke la dupwe. E le kudo dale na mi. Kudo mi ape jiji me vio. Na mele jena bubwa mi la bui. Vona mele le wanu ke la chomia. E te nyi bishon fous da ou lo bo. Mi la pon koumene. E te nyi imam. Ke pa chena imam ou pa tale togo. Mi la pon koumene. Et te nye gounon. Mi la pon koumene. Yene mi le yante pia mele. En gounon la te wade pepe. Ebe. E boku vodou ma di nyante yo. E politisyen wou. Opoza wou. Ke e gome mi le de. O le toafi yo le nyante wale. Nyantan. Mi ntote londe di. Mi le po le vivime. O bo. Fon nyansingwe lo boko wou. O le toafi yo nami. Vo o bo. Ma ou ke do di kwa nyi ba yanyi. So to go da lo menami a to go kwe ko wunde a. E lengbe do menami. E lengbe do menami. Wan to nya zine ne keye. O mu zomon le bobo me. Be la o mi kumi ma. Wa fika yu vay diyo. Fika yu vay diyo. Doa. Ma ou nami mu sebe. Mya enye kou mya so keke we. Jibe to go netroya. Be mya we la site. Ak panko, ame wong pata, ke we doka, le fion mi fwa. Wok pove le nyona kwa vio, kwa va janvio. Bishof mwa, doa janvio Amerika, doi si ame ve, ame to, ame nenene. Fada o chan doi nene. Fada do chan lea. O le wo, wabe ve de chasete a di, o kounyon mwa mdonya de kwe o. Mya we la hunku la sok po we. No doa fona dia o la pobe a o enyabo le kwe fu an. O chan ho koto kwa ton yalo. Na so, le funiti na vio, a so danu na vio. A mede so, blikoumo lu avanande, o chan ho akbarika. Ne mi yifa da kwe, ku bishof kwe wonado, ma o, yesube afwa, zona yesuba foto pyo a mi la kwa do jisi. Va medo le a. Ne mi ya, mi ame koe dare ya. Ni akpele kek ba le gome na mi cha ni mi nyan mi lak ba de son na we. Wa chan le, do e gak bo le di. No na o chan ba le di sok we. O le nwa kbe si be heke me to ni ni. Mi hunkune mi akpa we. Mi hunkune mi akpa we. Tanyo. Ne mi le kbe fwe kbe ya. E so. Ma wu. Be kam me ape nou no la wu. Bo bo to do bo. Mi a don kwebe bariga kebe iwa diplomasiya. Ele sigbe onu nene. Onu ya be o. Be nyi nya gonglo elo be gbagbo wwa me alofa de kale abobo. Ye nyi gbagbo kole gban prezidant sa leve e tui. E pe wwo yo be a mou ande kwe o. Ene diplomasiya le wwa. Diplomasiya wwa be a Kadhafi. E wwa me alofa de kakudo bladen. Le Benghazi ku eto o. Yen ti yo ban Libi, ke ni du ke ni yo ou l'Afrika.
que Kadhafi la quoi Libye ni du Kenya ou l'Afrique. Funi a beto volé ça ou Funi nous nous messieurs ou et dit Djokpo quoi Kudo égalé ça ou l'Afrique. Libya et on ban doit obé Kadhafi ou Amerofa de Kakouyade. Va on y a be un keyo va dire que nous mettons fort ou amé à l'offre ma tante était là que nous avons pouvoir. Va nous quand on a fort au mouéa au son place Natogo le conseil de sécurité au son place Natogo le conseil des droits de l'homme le Genève mais les quoi diplomatie à mais quoi le kebe bana nene monseigneur Bariga tchan badaïwa nene be badaïwa au le wanou dans kao. Que ben non, CJVR à noix, commission vérité, justice et réconciliation à noix. Et nous, qu'on veut une conclusion, allez, nous ne pouvons rien que quoi. Et d'où n'en quoi dit, t'es là, bérédit, aïe, peuple, abéné, gouvernement, moi, allez, que là, mais quoi, mais tu t'es renti. C'est là que Christ, ou en est né. Ben, n'a quoi, qu'on doit pharisier à toi, qu'on nous, on l'a, que oui, bon, et si, mais ma oubelle, quelle est que vous avez un tombeau en eau? Dona bapet, beau son danado. Ah, mais vieux, mais t'as dit. Et nous, ouais, conférence des évêques du Togo, les ouais, au bout de Dieu, la blona mi bé, mi a trollé, mi avait diomé, bé mi a dé, mi a trollé sous somme, mi a dé, vodi vodi yenye, joda le miame, ne, Togo avec question noir, mi a mao, et basso. Oh, les vont, les collègues blona forbé, les Kémilés Prodouamouno. Gouvernement, les Kémilés Prodouamouno. Assemblée nationale, les Kémilés Prodouamouno. Mille Fidoua. Mille Logasso, les Douta. Mima, qui sont nous, qui m'ont son atogouade, Togo Viodi, aode. Mouni mi atogou Vio, qui est une signe de Pemolo. Qui si tu as comme les sons de Peno, et Mirava, notre ton ami, et Miamma, qui sont nous, de dire, vont, vont, notre ton ami, aode. Mi soka kouve, yon cha mi doun le fora ba lome. Mi yivay ko gay. Oso pnuit, oso ganan be, mi a blamo be pnuit PND a enyo. Be PND Programme National de Développement enyo. Ye mi men na fadado, bo chane doa lo ha me vioji. Ye mi men na jeunesse charismatique be kbolado be, on e da lo jeune oji be, revolte mba no chotia, contre gouvernement. Mi kwea, et bien, mi va, domo d'abe, nous les CC, nous les Khoti, gouvernement, les Djababaya, et les Djababaya, m'kebababababa, les Dieu, m'kebababao, m'kebababao, mi bonou, mi nyabe mi les pefou, les kemila ve fou pepe anou la tia, nyabe mi la cité, anya régime yakou, miame kopata do rakui. Le na du me viole kwe fwa. Nyan to mi nyan ke mi jawa. E nyan ke mbe matona mi wetroya. Ke mi ato katoliki to. Mi hunku. Mi hunku la. Mi hunku. Amole le kwa ramea. A bosan. Ye so. A levi ba uso do. Gwe amole ya. O njima oba me tia tiao. Si fada ya ke wana chochi le zangera ve katoliki. C'est mon Seigneur, pas de renéné. Koudoufa d'Ao, les sous-bois que mi entend mi disia. Maouye, tiao. Bame d'Olia, on y fa da bevou. Rame vieux bok pour donna. Donna quoi, mauvais son. Lona rame ve gasson na kaswada. Ou son soa kwe nyo nyo nyo. Ou son don no a messi nyo nyo nyo. Ame mwa cha mi lem kudo anti, nya bjo wa kontaye. Ma ou subo subo ma so zilo mi adiyo. Fanso jime, nende mle nyokwa, mi mba vona a wu, blaya wa kole do, a wu blaya wa mea, ma ou dola la ten wado me, a bosan cha la ten wado me, na bosan wado me, mi nyavwa mi bonwa, a bosan be bobola sok bo mi ocha, nde kpe ma jejina mi le rame ameo, nde kpe ma jejina mi le mi ame kome omeo, nde kpe ma jejina mi la gbe ameo, mi na mi a so nya tepe toto, kale, ne mi a site, mi a wava, kudo ame kopa ta dora, le semuta kumia, politik me yo, e rame ame yo,
administration meyo a meagbole o dole o a peno obenyo mia na meaya le zio de me le to afogina o jipa bi a jagla la a gladi jiade me mia pata mi jera de ka e la jando ha de kai na me do pe le jagla o la no le o tu o la no wo o la no le ke e fu pe pe alagba no ye jina mi mi na mia senu yo go mi ade ne mia do ha si be du ko jagla ni ni mia cité ni nya de togo la buyumi in nya ni na mi we troya nya basi apeto ye bo avera mo dreve le ke gouvernement mo rendre hommage ne be kula he dada mia mi oya mia no rendre hommage ne mia no pueve haya ye ne ma vana be mi ocha mi vanyo autorité o gbereka mi la recompenser be mémoire mi la wo inde ke la ni kudo jinu na peto ye bo ye ega ki bido la ho le agbagba ko icha jina to gomi a ebe jiji me video la ho nuwa de façon symbolique ne ne ni ana dwala yin ko enwa apeto Casimir aja Casimir dossier anyo ke para ni nyane ne ko ne o apeto ayi kenyi e peintre ke wo monument pour monument de l'indépendance wo et des sculptures les hôtels Sarakawa hôtel de février hôtel le Bénin quoi fio ne ne gouvernement ne et nous on quoi tani la va kweme et gakem te ho ave jiji me viola khwe et ne to gwala yin ko wa na me de wonde ke do to gware dia mi na mi a tuebe fene mi a tuebe fene ne te ho wa et so ko be jiji me viwa on ne khwe et wa apeto ye bois et doa ni le rendre hommage non au Troya, ni à Bassekao, ni à Sopa au Troya. Bonsoir à vous tous et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Jean-Paul Oumolou.